Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on va vous parler de ma montre, c'est la Tudor 58 et je suis content franchement de vous en parler aujourd'hui avec mon frère parce que je crois que je peux le dire mais c'est ma montre préférée et on vous emmène sur Genève, hein, une fois n'est pas coutume, avec moi et je vais la photographier cette montre, je vais la shooter de long en large dans Genève et c'est parti. La Black Bay 58, une montre que Jonas a depuis un certain temps dans sa collection et ça fait un moment qu'on cherche un petit peu l'occasion parfaite pour vous en parler. On voulait pas vous en parler il y a un certain temps parce que beaucoup de gens parlaient sur YouTube, sur Instagram. Ça a longtemps été une montre qui a fait énormément parler d'elle, ça l'est toujours. Et à juste titre d'ailleurs, parce qu'on pourrait presque la considérer comme une montre parfaite à tout plein de points de vue. Mais vous verrez un petit peu après dans la suite de la vidéo que bah finalement pas tout à fait. Et à force peut-être d'être parfaite, on le devient peut-être un peu trop. Avant toute chose, on vous annonce que cette vidéo est sponsorisée par la marque Max Wilsdorf. Alors, c'est un produit assez sympa, ils nous ont contacté il y a maintenant de ça 3 semaines, donc ça fait un petit moment qu'on utilise le produit. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu d'ailleurs, on en a parlé 1 ou 2 fois. C'est un produit tout simplement un peu type stylo, en fait, avec une brosse au bout, où on peut tout simplement nettoyer sa montre, et nous on en a trouvé véritablement l'utilité. Bah, notamment quand on fait des shootings photos. Parce que c'est vrai que par moment, bah, on prend la montre, on se préoccupe pas trop en partant de la maison dans quel état elle est. Arrivé sur le moment du shooting, on se dit mince, faut qu'on lui donne un coup parce qu'elle est dégueulasse. Un outil comme ça, vous verrez dans la vidéo, c'est pas bien gros, ça prend pas beaucoup de place dans un setup photo et ça peut rendre service. Mais restez un petit peu plus tard dans la vidéo parce que vous verrez, on va l'utiliser en action et puis on vous en parlera un petit peu plus. Revenons à notre sujet principal, qui est la Tudor Black Bay 58. La première Black Bay 58, c'est deux montres, mais surtout la Black Bay 58, la première du nom, qui est inspirée de montres bien particulières. Et finalement, c'est un petit peu ça le sujet que moi, personnellement, je vais aimer traiter avec vous durant cette vidéo. C'est une montre qui prend des codes de beaucoup de montres. Et les codes que Tudor a choisi de prendre pour créer cette montre, on vous le fait direct, ça a été des génies. Pourquoi Tudor Black Bay 58 ? Parce qu'elle tire son nom finalement à 1958, donc 58, c'était la submarinaire de chez Tudor qui à l'époque a repris le design de la Bicrown de chez Rolex. Et c'est ça qui est assez dingo, on voit à quel point Rolex et Tudor fonctionnent en synergie. Puisque en 2012, Tudor arrive avec son héritage Black Bay, la montre que tu as, je te rappelle, oui, si jamais. C'est très vrai. Qui avait déjà l'envie de reprendre ses anciens codes passés, notamment avec la Snowflake dans l'aiguille des heures. Forcément, ils ont eu envie de rajouter du vintage et sont arrivés en 2018 avec la 58 en 39 mm, 200 mètres de profondeur. Merci Tudor pour faire une vraie montre de plongée. 70 heures de réserve de marche, mouvement made in house. Véran saphir, blablabla, ça on la connaît. Le bracelet en acier rifté, alors c'est des faux rivets, mais c'est de nouveau encore une fois pour faire hommage à cette Tudor submarinaire de 1958. Mais c'est quand même assez incroyable, c'est que pour 3500 francs, on profite tellement des technologies de la maison mère qui est Rolex. Ouais, c'est vrai. Ça c'est génial. Clairement. Tudor ont été littéralement des génies de créer une montre pareille. Elle est parfaite. Franchement, c'est une montre que quand on prend en main, elle respecte tellement de codes qui sont presque, je dirais, faciles à voir. Quand je dis facile, il faut pas se méprendre quand je dis ça. C'est une montre qui respecte des codes qui sont très connus de la part des passionnés d'horlogerie que nous sommes, qui reprend bah voilà, des codes de la Submariner de chez Tudor à l'époque, et chez aussi des anciennes Rolex Submariner. Finalement, cette montre, sur le papier, elle a tout pour plaire. Elle a tous les aspects esthétiques pour que ce soit une montre parfaite. Et c'est là où, avec mon frère, on va débattre un petit peu avec vous dans cette vidéo.
selon moi, et je crois aussi un petit peu selon mon frère, à un moment donné, on pourrait presque se dire, est-ce qu'elle n'est pas trop parfaite? Est-ce qu'elle manque pas un minimum de charme? Pour vous expliquer un petit peu la genèse de pourquoi j'ai choisi cette montre, faut revenir en 2018. On était à Baselworld avec mon frère, à l'époque où ça existait encore. On a été invité par Tudor pour pouvoir suivre la conférence de presse. On a découvert le modèle 58 et le modèle GMT, que vous devez bien connaître aussi. Et c'est vrai que sur le papier, et une fois l'avoir vu, 39 mm, une boîte bien plus amincie qu'avant, un mouvement made in house avec 70 heures de réserve de marche. Quand j'ai pris cette montre, je me suis dit, mais s'il devait avoir une montre parfaite, pour un prix de 3500 francs suisses, et à l'époque était encore moins cher que maintenant, ça serait cette montre-là. Et c'est pour ça que je l'ai achetée et que j'en suis extrêmement fan. Mais comme a dit mon frère avant, à vouloir être parfait, on le devient peut-être un peu trop. Je crois que franchement, il m'a volé tous mes mots, j'aurais pas pu le dire aussi bien. Mais à un moment donné, c'est un peu ça ce qu'on essaie de vous communiquer. Moi, quand j'ai vu mon frère tomber amoureux de cette montre et finir par l'acheter, je vais être honnête avec vous, je suis tombé aussi un petit peu amoureux de cette montre en même temps que lui. Si, admettons, aujourd'hui, je me retrouverais avec plus aucune montre et que je devais faire un choix comme ça, d'instinct, allez, je m'en rachète une, j'ai 3500 francs à mettre, je me rachèterais cette Tudor Black B58. Elle est incroyable, elle est parfaite. Son bracelet acier, il est dingue. Il y a beaucoup de gens qui polémiquent sur les rivets, les faux rivets Tudor. Moi, personnellement, ça m'a jamais gêné. Mais bon, bref, fini pour cet aparté. Je peux tout à fait comprendre que les gens l'adorent. C'est mon cas aussi, je suis fan de cette montre. C'est une montre qui est un cas typique. Ce qui est fascinant avec cette montre, au-delà de son esthétisme qui est incroyable, c'est regarder un petit peu les codes esthétiques et design qu'elle embarque, finalement, que Tudor lui a mis dedans. De manière presque un petit peu objective, observer cette montre et se dire, mais comment ça se fait que cette montre, elle plaît à autant de monde? Du plus connaisseur de l'horlogerie au plus néophyte, il vous dira, ah ouais, elle est folle, elle est incroyable cette montre. Et à juste titre, mais je pense que c'est une montre qui finalement reprend énormément de codes. Qui à l'époque, en 2018, a énormément repris un petit peu cette mode du vintage qui était en plein en train d'exploser. C'était vraiment 2017, 2018 et encore aujourd'hui, c'est vraiment maintenant que le vintage est redevenu à la mode absolue, les diamètres un petit peu plus fins, mais quand même un peu sportifs, submariner, etc. Tudor, c'est simple, en imaginant cette montre, ils ont fait un coup de génie. Ils ne pouvaient pas se tromper. On a utilisé en début de vidéo le mot c'est une montre presque trop parfaite. Je vais vous donner un exemple assez concret. J'ai lu il n'y a pas très longtemps un article sur les bébés qui appréciaient énormément les têtes rondes, bien jolies, bien proprettes. Et c'est vrai, la majorité des êtres humains apprécient les choses propres, les choses belles, avec un bon diamètre, avec des bons codes repris, comme tu le disais tout à l'heure. Et je pense que c'est une des réponses de pourquoi cette 58 plaît tant. C'est parce qu'elle arbore un diamètre qui est proche des 40 mm, voire même un petit peu en dessous. Elle est fine, elle a un joli mouvement, en plus de ça, made in house. Elle respecte les 70 heures de réserve de marche, que tout le monde a envie sur sa montre, avec ce fameux bracelet acier que Tudor et Rolex savent tellement bien faire. Ouais, ça. En plus de ça, un joli look vintage bien assumé, des faux rivets sur le bracelet, une patine sur les index, en plus de ça, un cadran avec des petites touches de doré. Que demande le pape? L'œil, il est tellement content quand on voit des choses comme ça, donc forcément, ça plaît, avec un prix extrêmement agressif. Très concurrentiel. 3500 francs pour une montre comme ça. Comme a dit mon frère, ce que Tudor a fait avec cette 58 en 2018, je crois qu'ils ont tapé dans le mille, mais méchamment. Après quelques mois d'observation au poignet de mon frère, finalement, c'est presque une montre un petit peu trop parfaite. À un moment donné, c'est une montre, on aura envie qu'elle nous surprenne un petit peu plus. On aura envie un petit peu plus de caractère, un petit peu plus de fantaisie, un petit peu plus de personnalité. En prenant autant de codes de par-ci et par-là, où Tudor savait à l'avance que ces codes allaient fonctionner, oui, ça a fonctionné, mais à un moment donné, on a envie qu'elle soit presque un petit peu plus fofolle, cette montre. Et là où Tudor ont été forts, on parlait de donner du caractère. Et en fait, c'est pas une montre qui va nous en donner dès l'achat. A contrario, vous savez que j'ai une Jaeger-LeCoultre Reverso.
Et là, c'est déjà une montre qui a un caractère de folie. On l'achète, on sort du magasin, on se dit bon, j'ai pas la même montre que tout le monde. Par contre, quand j'ai une Tudor 58, bah oui, je me rapproche peut-être un peu plus de la montre que beaucoup de gens possèdent, que ça soit une Submariner, soit un Diver, c'est des montres qu'on voit souvent. C'est vrai. Mais par contre, Tudor ont fait un très bon choix, c'est qu'ils ont laissé cette lunette en aluminium, ils ont laissé certaines choses qui vont faire que cette montre-là va vieillir. Et en fait, c'est une montre, on va lui donner de la personnalité, c'est avec le temps. Je pense que c'est paradoxal, c'est une montre parfaite, presque trop parfaite, mais qui demande à être portée, qui demande à ce qu'on lui... on lui mette quelque chose, qu'on lui mette une personnalité dedans. Ouais. Et c'est ce que j'essaye. Et je m'efforce à faire jour après jour. Avec le temps. Et j'en suis hyper content. Et elle commence à prendre une sacrée personnalité, ma montre. La Reverso de mon frère et la Tudor Black Bay 58 de mon frère sont deux montres qui se comparent assez bien, finalement, parce qu'elles sont, comme Jonas l'a dit très justement, totalement à l'opposé en termes de code. La GGR Reverso, elle fascine, mais les gens, souvent, quand ils la voient, ils se disent « Ouais, mais je suis pas habitué. Mon œil n'est pas habitué à avoir une montre pareille. » Alors que la Tudor 58 Black Bay, bah finalement, c'est l'inverse. Elle fascine aussi, mais les codes sont tellement appréciables que ça fait bim direct dans la tête. Il y a tout de suite quelque chose qui se passe, il y a tout de suite un match qui se crée. On n'est pas les professeurs, on n'est pas là pour vous donner une analyse de malade, mais nous, c'est un petit peu l'analyse qu'on a pu en faire après quelques mois, une bonne année de port. Et ça, c'est fascinant de constater ça, finalement. Alors attention, si vous appréciez cette montre, allez l'essayer, allez la porter, posez-vous les bonnes questions et regardez peut-être notre vidéo « Mon premier achat de montre ». Parce que, attention, c'est peut-être une montre sur laquelle on peut se lasser. À défaut d'une Reverso, où vraiment, quand on a décidé de faire l'achat, je crois que c'est une montre, on sait où on va. Une Tudor 58, c'est une montre où peut-être qu'on aura envie de coller un petit peu au standard. Et si on l'achète pas pour la bonne raison, on pourrait se lasser. Et puis si à un moment donné, vous êtes décidé, allez-y, foncez, parce que c'est fait pour. Vous ferez pas une erreur. Bon, tout ça est dit, et je crois plutôt bien dit, on a hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. C'est le bon moment pour vous parler un petit peu de Max Wildorf, la marque avec qui on est en partenariat, comme on vous l'a dit en début de vidéo, pour cette vidéo finalement. On a reçu le produit, on l'a testé un petit peu à droite à gauche, comme ça, pour voir un peu ce que ça valait, voir sa réelle utilité. Et un jour, on l'a pris en tournage. En tournage d'une vidéo, puis on s'est dit en fait c'est génial parce qu'on peut nettoyer sa montre hyper facilement. C'est pour ça que dans cette vidéo, là où mon frère, bah vous le voyez, fait un petit peu un shooting de sa Tudor Black Bay 58, c'est un compagnon qui est assez cool pour nous en tant que photographe, en tant que vidéaste, d'avoir un outil pareil dans son sac à dos. Dès qu'il y a une trace de doigt ou quoi, on savonne un petit peu la montre, on la met après sous l'eau et la montre, elle ressort absolument nickel. Et c'est tout l'avantage de ce produit, c'est que vraiment on a tout en un, donc on a une brosse au bout, on enlève le capuchon, on arrive sur une brosse avec le liquide qu'il y a à l'intérieur, on pompe quelques coups, on envoie la dose sur sa montre, et puis derrière un bon coup de rinçage et on s'est pas pris la tête. Et en plus de ça, bah, c'est pour un prix de 40 francs, c'est ça. 39 ça, francs c'est le petit truc et des bananes. Donc c'est assez cool, c'est un bon achat de Noël. Si vous avez des gens qui sont passionnés d'horlogerie tout comme nous, bah, pensez-y peut-être, ça peut être un super achat. Dites-le nous dans les commentaires si c'est un truc qui peut-être vous intéresse. N'hésitez pas à aller checker le compte Instagram et le site internet qu'on mettra en description de Max Wildorf. C'est fini pour le sponsoring, on repasse à la Tudor. Bon, je crois que vous l'aurez compris après ces quelques minutes d'éloge et en même temps de côté très paradoxal, c'est une montre qui, objectivement, a tout pour nous plaire. Qui est à la fois élégante, parce qu'elle reprend ses codes vintage avec un diamètre assez réduit, mais en même temps très sportive, avec son bracelet acier. C'est peut-être une des seules montres qui peut se targuer de réussir à contenter tous les passionnés d'horlogerie. Et ça, franchement, c'est très 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 rare. On s'est fait plaisir un petit peu à se creuser un peu les ménages et de se demander en fait comment ça se fait que cette montre plaît autant aux gens. On espère avoir répondu un petit peu dans cette vidéo à cette question qui finalement est très très compliquée. Tout ça est encore une fois très subjectif, mais c'est une montre qui est passionnante, qu'on peut recommander finalement à tous ceux qui à un moment donné ont eu dans la tête de se l'acheter et qui envisagent véritablement de se l'acheter. Je crois que vous l'aurez compris, on est des très grands fans de la manufacture Tudor, mais ils sont sur beaucoup d'avancées. On prend notamment la Pelagos qu'on se réjouit une fois peut-être de filmer avec ce bracelet, avec ces fameux ressorts sur la Pelagos qui peut se dilater pour pouvoir mettre par exemple une combinaison de plongée. Ils ont vraiment des partis pris bien faits, ils sont forts dans ce qu'ils font. La communication, nous on adore, avec David Beckham sur le compte Instagram, voilà, on adore vraiment ce qu'ils font. C'est clair. Et comme David
d'habitude, n'oubliez pas de liker, de nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette 58, de nous suivre, de la partager cette vidéo, surtout si vous avez un ami ou un proche qui hésite avec cette Tudor 58. Et d'ailleurs, en parlant de ça, petit aparté, mais merci beaucoup de la part de mon frère et moi de l'accueil que vous avez réservé aux deux dernières vidéos, dont celle de Kaori Watch. Franchement, ça nous a fait un plaisir monumental. Bah, c'est un projet qui nous tenait vraiment à cœur, une vidéo dont on avait vraiment hâte de le poster. On est content de voir qu'elle a plu à beaucoup, beaucoup de monde. Ça peut pas nous faire plus plaisir, donc merci beaucoup. Et comme d'habitude, n'oubliez pas sur la prochaine vidéo, soyez à l'heure.